بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرب أما بعد، بونجور. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur quatre versets du début de sourate le voyage nocturne. Dieu dit فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا ما على تكبيرا صدق الله العظيم. Ce voyage nocturne, c'est-à-dire Isra, elle a un autre nom. Ce chapitre, il a un autre nom, c'est les Israélites, les fils de Jacob, d'Israël. Dieu, il dit à propos de ce peuple-là qu'il y a beaucoup de périodes de dominance au détriment de leur ennemi. Mais surtout ici, on peut comprendre que le pire ennemi aux Israélites, ce sont les vrais musulmans. Parce que les Israélites sont des gens qui ont rompu l'alliance avec Dieu. Donc, ils sont exposés à être châtiés à plusieurs reprises à travers l'histoire. Et on a vu que l'histoire, elle est toujours là pour témoigner que c'est la vérité. Parce qu'ils exacerbent le courroux divin et en fin de compte, Dieu les frappe et les anéantit à presque 100%. Donc, il dit ici, il dit, « إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. » Ici, dans ce chapitre-là, Dieu cite deux périodes. On peut, comme dirais-je, interpréter que la première, c'est celle des Khulafa' Rashidi, c'est-à-dire après l'ascension du prophète Mohammed, la mort du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, les Juifs ont été expulsés et décimés dans cette zone-là autour de Jérusalem, c'est-à-dire en Palestine. Et déjà, c'est-à-dire la première promesse, بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد Dieu a envoyé des gens très durs dans la guerre, c'est-à-dire les vrais musulmans, les vrais croyants, les vrais lutteurs sur la voie divine. عبادا لنا أولي بأس شديد, donc ils sont très forts en confrontation. فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا. Et Dieu leur a permis de libérer cette zone-là. Libérer parce que il y a, en cette période-là, il y a dominance juive et romaine. C'est-à-dire, ce qu'il y a, il y a le canavar de l'Ukraine, et puis les Romains sont sur les sillons des Juifs. Parce que les Romains ont attribué à eux, qui sont les suiveurs de Jean-Paul, Saint-Paul. Donc, ils sont sur le chemin des Juifs. Parce que Saint-Paul n'est pas correctement un chrétien pour de bon. Donc, c'est-à-dire cette promesse a été vécue, a été tenue, parce que Dieu ne manque jamais à sa parole. Et maintenant, la deuxième phase, la deuxième domination, c'est la contemporaine. Depuis le d'avant 48, ça a débuté cette période-là. Comme on a dit, comme le Karataïen, vous savez, la Haganah, qu'est-ce qu'elle a fait comme tuerie, etc., et avec une violence extraordinaire, parce qu'ils ont de la haine vis-à-vis des musulmans. Comme on a dit, comme le Karataïen, on a donné un coup de moine. Donc, ils ont repris le dessus, ils vont se venger, ils ont eu cette occasion-là, et vous savez bien que les Juifs, surtout les Syristes, ils sont des voleurs de première catégorie. Presque tout, la majorité de la monnaie, de l'argent, des richesses, c'est sous leur domination.
Ouais, j'aime bien moi, le Bénin. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de suiveurs sionistes, même ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont messianistes, ils sont des vrais serviteurs serviles pour ces, comme les maudits sionistes. Ouais, Bénin, on dit, en a contre nature, bien sûr, si la majorité, elle suit, comment dirais-je, le complot sioniste. C'est une édiction, ce qu'on voit tous les jours. وجعلناكم خير نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ربي دي si vous faites le bien sûr pour votre propre profit et si vous faites le contraire c'est à votre détriment إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة donc voilà la période qui va toucher à sa fin parce que maintenant ils ont profané les lieux saints et ils ont fait tout le possible pour avoir la main haute sur Al-Aqsa, bien sûr, c'est comme ça, il y aura une émergence d'une nouvelle vague de vrais musulmans, ce qu'on voit maintenant dans cette zone-là. Bien sûr, c'est-à-dire, ils font ces lutteurs-là, ces revenants-là, ces vrais musulmans, ils vont se comporter d'une façon que toutes les anxiétés, toutes les paniques vont vous frapper. Bien sûr, vous comme c'est-à-dire, ça devient évident sur vos visages. Bien sûr, vous jouez comme vous êtes, comme vous êtes, c'est un camarade que l'on va là. Et puis, on va vraiment libérer de ça, à partir de Gaza ou à partir de la Syrie, on ne sait pas, ou à partir de toute cette zone limitrophe. Voilà, c'est limitrophe par rapport à la Palestine occupée. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا معه تكبيرا. Et puis, ils vont, ces vainqueurs-là, ces musulmans-là, ils vont frapper et écraser tout ce que vous avez bâti, comme théorie sioniste, elle n'aura plus cours dans le monde, et comme les bâtiments, les routes, les autoroutes, comment dirais-je, tout ce que vous avez fait comme mur de protection, tout ça va être démoli. Et puis Dieu, il dit qu'à chaque fois qu'il retourne sur la mauvaise piste, Dieu le frappe de nouveau. Salam alaykoum wa rahmatoullah.